précédemment dans les Turners. 3 ans après. Si on meurt là-bas, sur place, il n'y a personne qui pourra le savoir. Vous avez pas honte d'être aussi faux cul, hein? Fucking pair de golf. Pour l'instant, le climat, c'est super chaud. On est en tuk-tuk. C'est chill, en fait. Moi, j'apprends plein de trucs sur mon ex-petite amie. Ah, 2, 3. On a perdu la caméra. Est-ce qu'on est con? La caméra elle est là-bas. Où là-bas? Bah, il l'a laissé dehors quand il a fait le point, il a oublié de la reprendre. Il a laissé la caméra sous la pluie, il l'a posée pour faire un plan. Je suis le mec du j'ai fait un plan, je l'ai posé sur le banc et je crois que je l'ai laissé. Tu l'as laissé où? Mais là-bas, mais c'était avant qu'on fasse la balade et tout. On a cherché partout et là on s'est rendu compte qu'il avait vraiment, mais c'était pas une blague, il a laissé la caméra depuis à filmer et waouh, sous la pluie, c'était pas la pluie de Paris ou autre, c'était un torrent, des cordes qui tombaient. Et Lena et Wesley me disent, alors Dimitris on peut mourir, c'est pas grave, mais Lena et Wesley me disent t'inquiète, on va aller chercher la caméra et on court sous la pluie. Ah mon dieu! Ok, on ferme le mur et on touche pas la pluie. J'arrive sur le lieu du crime, je ne trouve rien et là je commence à être en panique. Okay. 40 minutes de stress, grâce à Noy, on a retrouvé la caméra grâce à quelqu'un qui l'avait récupérée et je suis trop content, vraiment. Après des longues attentes et essayer de sécher les larmes de Johan, on a retrouvé la caméra, je sais pas par quel mystère, miracle ça s'est passé. Mais en fait personne nous avait volé la caméra et c'est juste Johan qui est idiot et bête. Putain c'est bon, on a retrouvé la caméra, c'est un truc de ouf. J'ai shoot. Et comment les gens ils sont honnêtes, genre en fait on a été jusqu'au fond, on a été dans un endroit tout sombre avec Noy. Et on a demandé à tout le monde et il y a un gars qui est sorti de nulle part. J'étais là, je regardais le ciel, j'étais en mode... Avec la pluie et tout, s'il vous plaît et tout. Et le gars, il est revenu avec la caméra, il a fait, voilà la caméra, on lui a filé un billet de 10 euros, j'ai dit je m'en fous. Il y a le plan du gars qui retrouve la caméra, c'est un truc de ouf. Je suis grave soulagé, c'est un truc de fou, genre le sentiment de... En fait, c'est vraiment genre, perdre des plans... C'est ça qui... Genre parce que perdre la caméra, bon, c'est du matériel, tu vois. Mais perdre des plans d'un truc qu'on raconte, genre notre histoire, elle est authentique et spontanée. C'est notre histoire, en fait. C'est des trucs que tu peux pas recréer. Tu peux pas recréer des moments... C'était des moments uniques, ce qu'on a vécu aujourd'hui. C'était un truc de fou, la pirogue, la voiture. Et là, le fait de savoir que je vais pouvoir partager ça avec vous, je suis trop content. C'est hilarant parce que Wesley déteste les chats. Et de tout le café, bon, le déjà, chat, il est posé ici. Ça fait des mois. Justement, j'adore les chats, mais sauf que là, c'est frustrant parce qu'il est là, je l'accepte, mais je peux pas le toucher, tu vois. Ouais. Il est trop sale. Non, mais ça fait des mois que Wesley nous parle d'avoir un chat, et là, le chat, il a capté, genre, son aura a dit oui. Il est grave en mode, j'ai envie de voyager à Paris. Oh, regarde, il est trop mignon. C'est ça, alors c'est tout bon, hein. C'est nul, mais finalement, ouais, ah ouais, ah non, mais clairement. Ça, c'est comme tu le reçois. C'est pas
Je me réveille ce matin avec un sentiment qui est fou et genre vraiment novateur. À 16 heures de sommeil et je me sentis relaxée. J'ai pas touché mon téléphone, j'ai pas tapé mon nom sur Twitter, j'étais au max, trop bien. Alors c'est aujourd'hui qu'on va dans la jungle et faut qu'on se protège de ouf. Et Miss Ting elle est allergique. Du coup on s'est dit que le Laos c'est une bonne destination. C'est pas la crème solaire, t'inquiète pas, t'as besoin de l'étaler. Non mais ça faisait des taches blanches, parce que là c'est la lactée que je t'ai mis. Là tu vas rentrer dans la jungle et me faire EW. Et on va se partir. Mais non mais, parce que mon leggings il est transparent en plus. Moi je les vois bien genre rester coincé tel une moustiquaire. C'est toi qui m'as dit de le prendre, tu te fous de ma gueule. Si mais le blanc ça attire les moustiques. Là tu crois tu vas aller où avec ça là? Tu crois c'est, on va voir les fashion là Oui, pour la jungle. Ça manque de mode, ça manque de tendance, c'est à nous de la ramener. Premier réveil sur l'île, je me sens un peu bizarre de plus être à Paris et un peu déréglé. Est-ce que musical 1, 2, 3 J'ai rien de qu'il y avait un film. Je pensais qu'il y avait un seul High School Musical. Il a dit High School Musical, il croyait qu'il y avait que un film. Oui, voilà, viens dans la discussion. C'est celui où Troy et Serena, elle s'appelle Serena. Ah, espèce d'idiot. Oh, le manque de rire. Sacrilège. Gabriella. On annule la jungle, on regarde High School Musical. Affaire de jungle. Oh mon dieu, je suis tellement pas motivé là. Moi j'adore. On va grave tomber, on va mourir. Alors aujourd'hui, grosse journée, et là, on se dit gas. C'est parti. Bon voilà, on vient de se lever, il est à peu près... Non, on a mangé le petit-déj. Il est à peu près quelle heure là? 9h. Il est 9h40 genre. On va à la jungle toute la journée. On va dans notre habitat naturel. Et c'est pour ça que tu t'es habillé comme ça? Ah. Je l'avais dit avant de partir, j'ai dit, sois pas trop cliché genre le mec qui s'est mis en kaki dans la jungle. Qu'est-ce qu'il a fait? Le voilà. Moi, s'il y a une bête sauvage qui vient de vous agresser, ils vont vous voir. Vous. Moi, je serai dans les feuillages. Donc, toi, tu seras camouflé. Ah là, tu penses que t'es camouflé? Et toi, tu parles pas, mais je trouve que toi aussi, en vrai. Toi aussi, tu parles mal, les nains. Regarde comment t'es, toi. Moi, je me dis que ça va à la salle de sport, y'a pas mal. Non, mais à la salle de sport, on va où là? Moi, justement, genre, moi, je me fonds dans la jungle. Moi, je stylais. Hi. Donc là, on prend encore une fois la pirogue. Waouh, ils ont l'air énervés tous. Elle se protège du bronzage. Vous voudrez pas qu'ils ont l'air énervés? Mais vie. Waouh, elle a un parapluie au cas où. L'eau, elle a monté. Un pas en arrière. Hier, il a pris comme des torrents et des torrents et des cordes. Et l'eau, elle a monté. Elle a pas monté. Hein? Elle a pas monté. Si, regarde bien. Vous avez pas l'œil. Notre vaisseau nous attend. Et là, je me sens comme Cristal Colombe. Avant arpenter les mers et tout et tout. Quelqu'un veut la caméra de vlog? Waouh, personne n'y a répondu. Bouf! Mais comment c'est qu'on va se mettre dans l'eau? Me colle pas trop! Zouf, bouf! Chacun sur le bateau, on va pas en même temps sur le bateau, hein! Iklaf! Ziklaf! Mouf! Ça va over! Oh! C'est bon, on y va, les gars! Allez, hop! C'est parti pour la jungle! J'adore! Mais là, on est à bord de notre catamaran! Mais c'est wow. Ça, c'est catamaran! Là, ça veut dire qu'on est tellement insolents qu'en fait, ils nous attendent depuis qu'on finisse nos repas. Alors, tu sens comment, là, Elena? Oh, moi, je suis contente. Hein. C'est mieux que la ligne 9 le matin. On est bien, là. I'm so Christophe Colomb right now. Christophe Colomb is died. And now, it's was like weed. Oh, c'est bon, bah oui, il est mort. Guys, il y a des nouvelles terres à découvrir et on est les premiers. Les premiers humains à mettre la main sur des terres sont des youtubeurs. On a le droit d'aller se mettre devant comme les sirènes sur les bateaux. C'est à tes risques et périls. Mais moi j'adore mes périls. Je vais le dire. Je vais lâcher le morceau, attention mon coco, arrête de faire la grande. Tu fais le mec dur, tu joues le solide. T'as des gars à droite à gauche. Everybody knows but you love me, honey. Je n'ai pas le temps pour tes fucking conneries, baby. Fais une pause. Soyez beaux à deux. Sur nos pirogues, Instagram, likes. Avec Léna, on fait une photo. Avec tout le monde, on fait des photos. J'enlève le t-shirt, ça rajoute des likes. Ah, on sait comment les choses se passent. On adore. Pour combien tu sautes dans l'eau là? Sous le moteur carrément. Ok, 1, 2, 3, 144. Waouh, Inuit qui est tombé à l'eau. Airwigs. Schlack. Mettez-moi Airwigs, vite.
La wig. Là, ils croient ils sont beaux. Oh mon dieu, ils sont stylés. Donc c'est un peu toi le photographe de la bande, hein. C'est ça, parce qu'ils savent pas cadrer une photo. Soyez beaux, 3, 2, 1... Allez. Tiens ton iPhone. Waouh. She's beautiful. J'avoue, c'est une bonne idée de prendre un parapluie pour se cacher du soleil. La route comme ça, les jeunes femmes, les jeunes filles comme ça, ils préfèrent de garder comme ça la peau toujours blanche. Ouais, ok, d'accord. On arrive sur l'autre île qui est Duncan. On est toujours avec Noy, mon amour de ce voyage. On arrive sur Duncan qui est l'autre île. C'est trop mignon, il y a grave des commerces et tout, j'ai trop hâte. Mais c'est pas par là qu'on est arrivé? Si, si, c'est par là qu'on est arrivé, il me semble, hier. Il y a grave du monde par rapport à hier. Hier, quand on est venu, en fait, c'était vide, il n'y avait personne. C'est un peu l'endroit fancy. Entre le Cambodge et le Laos, c'est là où tout le monde se retrouve, où il y a toutes les nouvelles tendances, donc j'ai trop hâte d'aller voir les commerçants et de voir qu'est-ce qui se passe un peu ici. J'adore cette ambiance parce que les gens ils mind their business, ils font leur vie, ils sont tous chill, genre chacun fait sa vie, chacun se préoccupe de son petit commerce. On dit bonjour ou pas? Johan, tu peux m'acheter un coca s'il te plaît? Putain, c'est trop iconique ici. Waouh, de l'eau, je veux. On dirait qu'on a 10 ans d'amitié, c'est le voyage qu'on a fait. On a fait tous les paysages avec Léna. Avec Joanne, on a un jeu où on se dit, on dirait qu'on a un daron qui est riche et qui nous emmène, genre qui est un businessman et qui nous emmène dans ses voyages d'affaires. Et à chaque fois, on est là tous les deux et on essaie de s'amuser pendant que lui, il est en réunion. Londres, Singapour, Los Angeles deux fois, Coachella. Le ski, Coachella, Palm Springs. Londres, Laos. Et l'Espagne. Allez, vas-y à toutes! Bye! J'adore la colorimétrie de la Terre ici. Ouais, gars. Bad road, bad road, sir. Hein. We just arrived on Mars. Regarde les îles à l'abîme. On est sur un dromadaire? Ouais, exactement. C'est la même sensation. Un gruyère, ouais. En fait, who needs Disneyland quant à ça? Chacal, les îles à la bible sont de partir. Ouais, ouais, Disney ouvert. Non, c'est gratuit. Nicolas, le parc Astérix. Non, c'est dégoûté. J'adore les rizières. C'est des rizières. Ça veut dire que c'est là qu'ils font pousser le riz. Le saviez-vous, une plante est égale à 1 gramme de riz. Bonnie and Clyde, c'était trop bien. Et je me dis, waouh, l'aventure et tout, c'était trop cool. C'était assez confortable en vrai. Oh, j'adore rouler dans le choc à pique. Oh, on les a dépassés. T'inquiète pas, on arrive. Yes. We need to be first. Ouais, c'est bien qu'on soit first, ouais. Allez. Vous voyez Mario Kart qui est sorti il y a pas longtemps là? Bah en fait c'est exactement ça, genre c'est le monde de Bowser. Genre il y a des flammes mais il y a pas les flammes. En mode il y a des trous partout et tout. Il y a des fouah et tout. Et moi j'adore, vraiment j'adore. Besso, vous avez perdu. Losers. Waouh, là je me sens vraiment à ma place. Premier. Pourquoi tu te sens vraiment à ta place? Non mais j'ai besoin de mener la route, tu vois. C'est important quand même. Oh, Mavis! Dépasse d'elle. Ouais, Mavis. Elle a pull out un look 2000, j'adore. Putain, elle a sa chaîne tout. Oh, elle est 2000 vibes, je l'adore. We need to dépasse d'elle, monsieur. À tout. Mon maquillage! On va dans la jungle, ton maquillage il sert à quoi, frère? Il va tomber. Par contre, MDR, je peux pas maquiller ce matin? Non, quoi? Les cernes seulement. Non, ça existe, mec. Ça existe pas que les cernes.
t'ai vu, t'as pris ton antiscène, tu l'as mis sur tout ton visage. Menteuse, menteuse, je m'appelle pas la situation. Ton trade-liner, c'est pour qui? Pour les gorilles? Connasse. Donne-moi. Non, non, tu vas l'enlever. Mais alors, j'enlève quoi si c'est pas sur que tu te cernes? Aïe, pardon. Vous êtes comme frère et soeur, vous deux. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est moi la grande soeur. Parce que lui, c'est un petit, il est nul et il est inutile. En même temps, on a genre 10 ans de différence. Quand elle est née, Britney Spears n'existait pas encore. Waouh, trop bien. C'était pas trop agréable le vent et tout. Mais c'est trop bien. Là, il fait déjà trop chaud à mon moment. Oh mon dieu. Donc là, on est arrivé dans la maison d'un pêcheur. Et donc, on va rencontrer sa famille et sa maison. Il y a 5 ans, Charles, qui est derrière la caméra, est venu faire son tout premier reportage à l'étranger. C'était au Laos sur les pêcheurs. Et c'est le même monsieur. C'est ouf, hein. C'est ouf. Oh merde. Ma mère, je marche pas ici. Je vais glisser comme jamais. Quoi? Yo. Regarde, stratégique. Mais ça, c'est des trucs, ça part à l'eau, ça va. Qui a de la boue ici sur ses chaussures? Moi, elle m'a dit. Bah non, pas moi. Ça badit, madame. Le chat, il est né hier. J'adore. Il est né hier. Qui? Vas-y. Oh, le chat. Wow, c'est Snapchat, mais c'est bête. Après Dailymotion. Il y a Google. Oh, il y a Google et Snapchat. Vous vous rappelez du chat d'hier? C'était oh, Dailymotion. Wow. Oh, il a peur. Il est trop mignon. Non, mais c'est trop mignon. Je sais pas pourquoi je fais la meuf alors que j'aime pas les chats. Allez. Ouais, t'as vu ça? Mais il est mignon quand même. Ouais, il est mignon. Mais de loin. Ça badit. Somebody, somebody. C'est Bilali. Ça va pas ou quoi? I'm a fucking star, je vais pas faire un truc de clochard. Comment il s'appelle, Noy? Monsieur, si... Attendez. J'ai oublié son nom. Hein. Si Atana? Non, il a dit, il a oublié son nom. Ah. Il a dit si, attendez. Ça ressemblait grave à un nom là aussi, en fait. Somebody. Hello. Baby, il est trop mignon. Oui, oui. Mais en fait, ils ont le sourire facile ici, j'adore. Ça va dire. Ça va dire. Sa femme, elle fabrique comme ça des petits cannes à pêche. Oui. Ok. Pour les pêcher. Oh, c'est parce iconique. Ça, c'est le filet. C'est le café, ça, comme ça, épaguillé, on s'appelle. Hein, un balai. Ça, c'est le filet. Oui. Dans les coulisses de la, d'un pêcheur, genre. Oui. J'adore. Là, il y a plusieurs sortes de pêche comme ça. L'autre, c'est le filet aussi. Tu peux lui demander c'est combien de temps ça prend pour faire un filet? Ça veut dire que l'on peut faire dans une semaine. Une semaine. Une semaine? Ça prend une semaine. Wow. Ouais. Putain, c'est... Mais il faut travailler tous les jours. Hein. Ouais. Et le fil comme ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du... Non, non, ça c'est pour lancer. Là. Ouais, c'est du plastique? Voilà, Et du coup, ils vivent en hauteur parce que parce qu'il y a souvent des montées des eaux. Non? Ah oui, soit ça monte, ça descend. Mais il vient se réveiller tous les jours. Hein. C'était intéressant de voir dans quelles conditions le pêcheur il vivait. Il était en hauteur parce qu'il y a souvent des inondations. Du coup, toutes les maisons à peu près sont en hauteur. Et combien de temps qu'il a commencé dans sa vie? Si papa avant il était là, c'est un noir. Ça a commencé à partir de 18 ans, à l'âge de 18 ans. D'accord, ok. Et maintenant, c'est qui là? Il est assez pépé. Il y a 57 ans. Wow. Mais il continue toujours à pêcher. Comme tout à l'heure, là, il va montrer comme ça sur les tables, là, hein, traverser comme ça. Il a sa carrière de pêcheur, j'adore. Et c'est pour son fils aussi, il y a d'autres. Un petit peu d'aller. Bon, bah là, on vient de visiter la maison du pêcheur et c'était hyper touchant. On a vu comment il habitait, etc. Et là, on va aller s'enfoncer dans la jungle pour aller le voir sur son lieu de travail. Voilà. Des petits poussins. Je me demande juste, elle est où la salle de bain? Genre les toilettes et tout. Pourquoi tu forces comme ça? Parce que je me demande. Mais... Là. Moi, je me demande si c'est juste pour le village, la famille, ou si c'est genre un commerce. Genre, est-ce que tu penses qu'il vend le poisson après? Genre, il a son business. Ouais, je pense. C'est iconique. Je pense qu'il a pour l'aide, il prend pour sa famille. Parce qu'ils vont pas manger du poisson toute l'année, genre. Tout ce que t'aimes bien, tu dis, c'est iconique. Ouais. C'est iconique. C'est iconique ou iconique? Tu regardes qui comme ça? Non, quand c'est iconique, c'est moins fort. Quand c'est iconique, c'est moins fort. Il y en a qui vont finir dans la rivière. Alors, la Dimitrice, je l'adore. Franchement, au début, j'étais en mode waouh, je le stan, je suis fan. Et puis après, on s'est rendu compte, c'est un lion, je suis scorpion, et c'est devenu genre chien et chat. C'est un coup, je voulais lui faire des câlins, je l'adore, et un coup, je voulais le maraver et le tuer parce que c'est vraiment, je suis gentil, mais je suis super chiant en même temps. Et tout le long de la journée, ça va être que ça. Ça commence chez le pêcheur, et après, pff, il m'a rendu ouf. C'était pas Spider-Man, c'était Johan. Ah, mais oui, oui.
Attendez, pause, parce que là vous faites les malins, mais c'est oui. Moi qui m'adapte le mieux au milieu. Pas de marque, oh. Je vis super bien, je suis là, t'as gravement pas parce que t'as mis un pantalon épanoui. Non, mais déjà, il se rend pas compte. Ok, le mec s'est mis du make-up, il parle de nanani nanana, il a encore du mascara. Je suis rentré dans sa chambre le matin, il était en train de se maquiller. Oui, et bah, tu te maquilles pour. Il y a un problème, monsieur Cad. Non, mais tu te maquilles pour. Pour vivre. Moi. Ils se sont habillés pour faire quoi? Non, mais là, tu vas dans la nature, tu t'adaptes à quoi en te maquillant? Mais t'es malade, ma pauvre. Mais là, rien compris. Les pauvres garçons, mais la pauvre manucure. Non, mais est-ce qu'on a besoin de l'avis de la cadoche pour savoir ce qu'on met sur notre gueule ou pas? La cadoche, je sais pas. Si j'ai envie de te maquiller dans la jungle, je vais me maquiller dans la jungle. C'est toi qui te maquilles, c'est toi qui te. Tu dois apporter mon fond de teint? Non, c'est toi qui as payé mon fond de teint? Bah non, alors personne t'a bipé. Mais... Ça y est, lui aussi il a mis son petit jogging. Ouais, jogging, moi je m'adapte, tu connais. Hein. Il a mouillé ses Air Force dans la terre. Ouais. Oh, bravo, Dimitris. Bah ouais, dans si 16ème, ils vont t'applaudir. Moi je suis celui, je m'adapte le mieux à tout. Bande de chiennes. Que attends. Je te l'ai rendu, voilà. Attends, je me. Mec, il a encore. Putain. Oh bah. Tes chaussures sont sales, Johan. Je suis un peu chauve pour le coup. Je te déteste. Non, pas dans les orties. Pas dans les. Pas orties. Chez les pêcheurs. Tu crois que t'es chez toi là? Tu crois que t'es chez putain, toi? Putain, tu m'as mis de la terre. Tu me dégoûtes, tu me débecques. Respect, Johan. Non, mais c'était pas très drôle. Ah putain. La boule à terre. La boule à terre. Bébé, un gosse. Eh, sortez vos cartes Navigo, je crois que ça prend. RATP, wesh. Non, stop, wesh. Mais Dimitris, y'a un arbre. Non, s'il te plaît, me tue pas. J'ai pas envie de mourir. Non, mais regarde, il est devant moi. J'ai fermé les yeux pour pas voir ce qui allait se passer. C'est pas même le faire bien. Viens me balancer. Mais je comprends pas, ils ont mis un arbre devant pile la balançoire. Non, mais je vais mourir. Attends. T'as filmé? Non. Lâche-moi. Je vais dire à Charles. Je vais dire à Charles. Attends. Il sera en position de faiblesse. En plus, j'ai une jambe en moins. Allez hop. Bon, alors là, on est arrivé aux chutes de Côte Papeng et regardez comment c'est beau. Regardez le courant. Apparemment, s'il te prend, tu meurs direct. Il y a pas de... C'est trois fois plus intense. Vas-y, dis-nous ce que t'as appris il y a oui, trois fois. Bah, tout. Et du coup, est-ce que ça fait la même taille que les chutes du Niagara? Non, c'est beaucoup plus petit. Combien de fois plus petit? T'as pas retenu ta leçon. Et il l'a pas dit, je suis sûr. Faites gaffe parce que le terrain est glissant. Salut toi. Salut toi. Bien ici. Ouais. Salut. J'ai un problème. On a même pas mis un pas dans les sentiers battus que je transpire déjà. J'en peux plus. Ah, je crois que je suis en train de faire une allergie à toutes ces conneries là. De quoi? Parce que t'es lion, ça. Parce que je suis quoi? Lion. Ah ouais, elle aime pas les lions. Et si je suis scorpion? Et que je t'ai menti depuis le début? Quoi? Y'a des serpents et tout là et tout comme ça. Ah! Ah! Arrête! On découvre vraiment le lieu de travail du monsieur, donc du pêcheur. Qui est bah, tout simplement le Mekong, la marée, et je suis en mode waouh! Parce qu'ils prennent des risques à chaque fois qu'ils travaillent, tout simplement parce qu'en fait ils sont suspendus sur un fil pour aller chercher des poissons au-dessus du Mekong qui est à un courant. Mais même moi j'ai pas vu ça, ça me fait penser aux gazelles dans le Roi Lion. Bon bah, tous les jours, c'est son routine, alors c'est pour aller pêcher comme ça des poissons. Bah, ici, il y a beaucoup de poissons, c'est l'endroit très très poissonneux, d'accord? Regardez, là c'est la force des chutes. Et bien évidemment, aucun bateau ne peut passer là, sauf que le filet de pêche est là-bas. Du coup, ils vont prendre le câble qui est là, avec un petit harnais, et c'est tout quoi. Et Charles, toujours à vouloir tout faire, hyper actif et tout, et comme il est passionné d'images, il s'est dit je veux un plan vraiment de l'autre côté, il décide de traverser. Et là j'étais en mode, Charles, tu prends un risque toi aussi
de perdre la vie. Et là, c'est vrai que je commence à m'inquiéter. Je suis en mode oulala. J'en ai marre là. On descend d'abord. Avec qui on fait les plans? Une fois qu'il y a les plans, moi. Tu sais, t'as pas besoin de nous prouver quelque chose. Charles, il se met sur la tyrolienne et après il reste bloqué sur l'arbre à l'autre bout de la tyrolienne au milieu des courants, etc. Et personne ne fait rien. C'est-à-dire que je suis la seule intéressée par la situation, je suis la seule qui essaie de comprendre ce qui se passe et comment on peut l'aider. Et les trois autres, ils font quoi? Des photos Instagram. Donc moi, je pète mon crâne, j'en peux plus. Prochainement, dans les Turner. Ah, là je suis pas contente, je dirais même que je suis énervée. J'aime pas, je peux plus me le voir. Parce que c'est nul. Oui. Arrête! Attends, elle est dans ton coin, elle est dans ton coin. On est les seuls ici. Oh, putain, oh, putain. Mais la vie de ma mère, ça fait mal. La chétane.